Sur cette voie de contournement du stade omnisport de Bafsam Toket, s'est hissé le marché de Soukada, faisant partie des infrastructures routières. En vue de la CAN 2021, vu le glissement des dates, les boutiques et comptoirs sur cette voie ont été détruits. Juste après, les commerçants se sont réinstallés. Notre marché n'est pas reconnu. Nous sommes allés au niveau de l'omnisport, loin en haut, vous voyez là. On nous a chassés un peu partout. Vous voyez, les hangars sont là, c'était nos hangars. Ils nous ont bousculés comme ça. Malgré cette occupation illégale et un achat sur la voie publique, les commerçants continuent de payer les frais d'occupation. Nous payons le ticket ici par jour 100 francs. Hein? Nous payons aussi les impôts libératoires, 6 000 francs par personne. Hein? C'est quand nous plairons trop, lui-même, il voit ce que nous vendons. Nous avons quoi? Dans ce marché, on trouve un peu de tout. La friperie, la banane plantain, les fruits et légumes et les vivres secs. Les mouches et les nuages de poussière font partie du quotidien des commerçants et consommateurs. On part à petit, la route passe, on part arranger le marché. Mais à cause de cette route, le marché est invivable parce qu'il y a trop de poussière. N'ayant pas de comptoir, les tomates et autres sont installées à même le sol. Sous le parasol de fortune, les commerçants tentent de gagner leur pain quotidien. Nous souffrons trop avec les enfants. Une vieille femme comme moi, depuis 23 ans, mon mari ne travaille pas. Je vis au dépend de ce que je fais, puis vu les 8 enfants que j'ai. Ce marché est une aubaine pour les populations riveraines. À la Soukada, c'est le seul marché qui s'y trouve. En dehors de ça, il n'y a plus que le marché A et c'est très loin d'ici. Pour avoir la même tomate qu'on achète ici, 4 tomates à 100 francs, on va se retrouver en dépenser beaucoup de, en transport pour aller loin chercher. C'est pourquoi on se ravitaille ici là même. Les balises annonçant le début imminent des travaux, les commerçants quant à eux ne sont pas prêts à libérer le lieu. Donc je ne peux pas quitter. Même si c'est ici au carrefour, le caterpillar va se venir m'écraser. Et là, on s'avance tout droit dans un combat de titans entre les commerçants de Soukada, la communauté urbaine de Bafsam et l'entreprise en charge d'exécuter les travaux sur cette voie.